Días de vino y radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Merci Patricia. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ça Bon, aujourd'hui, on va voyager en, en territoire mythique dans le monde du vin. C'est la Bourgogne, et on va essayer de découvrir en, cette région et ses vins avec euh, Manuel Olivier. Manuel Olivier, il a on, sa cave euh, domaine Manuel Olivier, et c'est un expérimenté agriculteur et pionnier dans l'agriculture la, la, la bio. Bonjour Manu, ça va Bonjour Gabi, ça va bien. Très bien, très bien. Comment ça marche pour la Bourgogne Eh ben la Bourgogne est un peu dans l'hiver, hein, aussi bien euh, par la météo et le temps euh, que par le contexte actuel, on va dire. Oui, oui, bon et dans les, aussi dans les dates de Noël euh, l'hiver c'est fort là-bas c'est froid il pleut oh, on n'a pas, pas un hiver trop froid cette année Plus là ça va euh, c'est humide pour l'instant mais euh, on n'a pas eu encore beaucoup de froid ça va et, et pas de neige non pas de neige euh, on, a, on peut tailler sans problème quasiment tous les jours et euh, et non, ça ne sera pas un Noël euh, sous la neige et hivernal. Ah bon, très bien. Bon, euh, j'ai fait une petite présentation, mais je voudrais bien que, que tu nous parles de toi-même, comment tu as commencé dans le monde du vin, si ça vient de famille ou tu t'es rapproché par toi-même, un peu ta trajectoire sur le monde du vin jusqu'à présent. Alors, donc, euh, on est une famille de paysans euh, depuis euh, quatre générations et il euh, n'y a pas euh, une seule génération qui a fait euh, le même métier directement. Hein. Donc, il y avait effectivement un vigneron euh, il y a trois générations en arrière, avant Phylloxera. Mm -hmm. Et euh, au milieu, euh, il n'y a pas eu de vigneron. Pour faire court, mon père, lui, avait fait toute sa carrière euh, sur le Cassis de Bourgogne, hein, la liqueur de cassis de Dijon, et il avait 50 hectares de cassis. Et moi, j'ai commencé euh, à replanter de la vigne sur les terres familiales euh, en 1987. Uh -huh. Et aujourd'hui, euh, on a à peu près 12 hectares de vigne euh, situés au-dessus de vaune romanée un petit hameau qui s'appelle Conqueur et Corboin, euh, qui est un hameau de Nu-Saint-Georges. Uh -huh. Et comment, comment ça s'est fait que tu étais, étais intéressé à planter des vignes Comment tu es arrivé au monde, au monde du vin Alors, euh, comme souvent le hasard, hein, euh, mais le, le, la première ligne, euh, ça a été toujours un, une passion de la dégustation, un bon palais dans les réunions de famille, à Noël, euh, dans les anniversaires. J'ai toujours goûté à partir de l'âge de 12-13 ans. Et puis, euh, toujours été euh, assez facilement à reconnaître euh, la bouteille qui avait été euh, bue euh, l'année d'avant, etc. Donc, euh, la ligne conductrice, c'était euh, la dégustation et mon palais. Et puis ouais. après, c'est le hasard. Euh, en 1989, quand le, le mur de Berlin est tombé, euh, le Cassis s'est effondré avec. Hein. Euh, on vendait notre Cassis à l'époque. Euh, 15 francs du kilo, francs français, hein, et, euh, et c'est devenu à 3 euros francs du kilo, quoi. Et donc là, on a changé de métier, et on avait des terres euh, qui étaient classées, des terres qu'on pouvait planter en vigne, mais qui n'étaient pas plantées. Mmh. Et euh, avec mon père, on s'est mis à planter de la vigne euh, à cette époque-là. Donc, euh, ça a démarré doucement comme ça. Euh, moi, j'avais euh, 16 ans, et... Euh, et ma place est venue naturellement dans la, la viticulture par cet effondrement du marché du, du cassis. Uh -huh. Et c'est là que vous savez fonder le domaine Manuel Olivier. Hein c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a commencé comme ça, avec un hectare tous les ans planté pendant une, une dizaine d'années, jusque dans les années 2000. Et euh, j'ai démarré directement 100% en bouteilles euh, et 100% en au vente aux particuliers euh, les dix premières années euh, comme ça. Et après, euh, j'ai renforcé avec euh, les marchés export et euh, également euh, de l'achat de raisins, hein, puisque en, en Bourgogne, euh, Acheter les vignes, c'est de plus en plus compliqué quand vous êtes viticulteur. Hein. Mm -hmm. euh, les, les grands vins de Bourgogne sont totalement inaccessibles pour les vignerons maintenant. Et euh, mm -hmm. Enfin, les grandes vignes, pas les grands vins, les grandes vignes de Bourgogne sont inaccessibles pour les vignerons maintenant. Et donc, tout autant qu'on est, on se met à échanger ou acheter du raisin entre nous. De manière à ne pas avoir à acheter les vignes et essayer de rester sur le noyau familial des domaines viticoles. Mmh. Très bien. Et bon, euh, avant d'entrer dans, dans ton domaine, j'aurais pour nous situer un peu, que tu nous racontes sur la Bourgogne. Et... Donc la Bourgogne, bah, comme tu l'as dit, hein, aujourd'hui, euh, c'est un vignoble qui, euh, qui est de plus en plus euh, mythique euh, dans le monde de la viticulture mondiale. Hein, mmh. Et euh, un petit vignoble, hein, je veux dire, on est dix fois plus petit que Bordeaux, hein, par exemple, mmh. et euh, donc euh, euh, qui est resté encore à l'heure actuelle très... Euh, familial avec des unités de viticulture qui dépassent rarement 10 hectares hein, et euh, sur tous les, les niveaux d'appellation. Donc euh, c'est un vignoble assez simple sur la partie en cépagement, hein, on a euh, quatre euh, cépages dont deux principaux: hein, le pinot noir en rouge et le chardonnay en blanc, Mmh. et qui est complétée avec un tout petit peu de bourgogne aligotée, de cépage aligoté et euh, de gamay. Mmh. Mais euh, 90% de la surface de la bourgogne est euh, du chardonnay et du pinot noir. Ah, ouais. Aujourd'hui, la bourgogne euh, a tendance à se blanchir depuis une vingtaine d'années, hein, contrairement à ce qu'on croit. Euh, il y a de, de très très grands euh, vins rouges en Bourgogne mais euh, euh, le Chardonnay prend de plus en plus de place avec euh, en, en avant euh, le vignoble de Mâcon et euh, le Chablisien bien sûr mm -hmm. okay. après... Euh... Au niveau de la, de la gamme euh, des, euh, des vins, hein, euh, c'est très compliqué. On dit qu'il y a 450 appellations différentes en Bourgogne. Euh, Aujourd'hui, euh, les climats sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO avec euh, un, un ordre de demi-climat. Euh, mais c'est assez simple quand même euh, d'un point de vue synthétique. C'est-à-dire que la Bourgogne, à chaque village est identifié par son appellation. Tous et les puis, villages. Après... Oui, en général, euh, presque tous les villages. Quoi, hein. uh -huh. Et après, euh, on a euh, quatre niveaux dans les villages. L'appellation régionale, l'appellation village, l'appellation premier cru et l'appellation grand cru. Uh -huh. Les régionales en Bourgogne, ça représente à peu près 60-65% du volume de la Bourgogne. Uh -huh. et, et puis, euh, les villages représentent en gros 30% de la Bourgogne. Uh -huh. Les premiers crus, 10%. Uh -huh. Et les grands crus, c'est rien du tout, c'est 1,5%. 1,5%. Voilà. Uh -huh. Et à, à quoi ça obéit ces, ces appellations autant, autant d'elles euh, C'est-à-dire que chaque village a ses propres caractéristiques de terroir, euh, microclimat et tout ça, ou à quoi ça obéit? Alors, il y a toujours eu euh, plusieurs paramètres. Hein. Oui, euh, le, 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 la ligne qui, euh, qui conduit ces appellations. Euh, c'est euh, les terroirs. Après, il y a toujours les hommes aussi dedans. Hein. Quand on a décidé de faire le classement au euh, début euh, du siècle, hein, juste après Philoxera, euh, les lignes conductrices étaient quand même de dire, voilà, historiquement, euh, tel village fait euh, tel type de vin. Et on s'est euh, monté un syndicat, un groupe d'hommes qui euh, a défendu cette caractéristique de vin-là. Donc les hommes ont beaucoup, beaucoup euh, influencé également euh, l'avenir de l'appellation, hein, puisque euh, mm -hmm. chaque groupe, chaque village a monté son, son, sa propre ODG et euh, son propre syndicat de défense d'appellation. Donc euh, on a des choses très différentes. Hein. Je veux dire, par exemple, à vaune romanée euh, il y a huit euh, grands crus et euh, chaque grande famille viticole a voulu garder euh, son monopole avec son grand cru euh, et qui découle des premiers crus et des villages derrière. Et euh, à Nuit-Saint-Georges, par exemple, et ben, il n'y a pas de grands crus. Hein, le, les, les gens ont dit « Non, euh, nous, on fait que des premiers crus ». Donc, il y avait aussi l'influence de chaque euh, syndicat et des hommes qui ont voulu faire de leur appellation euh, quelque chose. Uh -huh. Quelle est la différence entre premier cru et grand cru eh L'histoire, hein, déjà, comme je te le disais, suivant euh, les domaines. Et puis après, bah, sa situation géologique. Hein, en général, euh, le, le, le coteau, hein, nous, on est sur une faille du Jurassique. Hein, et. Euh, euh, suivant la hauteur du coteau, il y a toujours une ligne dans le coteau qui fait à peu près euh, de 50 à 100 mètres. Hein, il n'y a pas une ligne très très large, euh, 150 mètres maxi, et euh, où c'est qu'il y aura euh, l'appellation euh, grand cru euh, sur cette ligne. là uh -huh. alors ça vient d'un terrain concret. Oui, en général, c'est un terrain concret. Hein? Ouais, en général, mais encore une fois, il y a toujours les hommes là au milieu. Hein, si on prend euh, le Clos Vougeot, qui est un Clos euh, mythique, hein, bon, ben, euh, l'ensemble du Clos Vougeot était classé grand cru parce que euh, c'était euh, le vignoble des cisterciens, des moines. Et, euh, et même s'il n'est pas tout à fait sur la ligne, on a pris l'ensemble du Clos. Donc il y a toujours l'histoire hein, des hommes. Euh, Ce n'est pas que une chose, c'est pas que de la géologie c'est pas que du climat euh, c'est pas mathématique euh, c'est dans le monde du vin, le vin est vivant et euh, son histoire euh, également vivante euh, avec euh, les hommes mm -hmm. Mm -hmm. et plus ou moins le, le territoire de la Bourgogne le, depuis Mâcon jusqu'à Bonne quelque chose comme ça, non c'est le nord et le sud alors, on a, on a la, la, cette côte-là hein, qui démarre à Mâcon, effectivement, euh, avec les Mâconnais, la côte chalonnaise, après la côte de Beaune et la côte de Nuit. Euh, mm -hmm. C'est un, une partie, mais il ne faut pas oublier Chablis, hein, en haut, qui, euh, qui est beaucoup plus haut vers Auxerre et euh, qui est un, un gros morceau de la Bourgogne euh, aujourd'hui. Et ne pas oublier maintenant le Châtillonnais, qui est un petit vignoble. Hum. Euh, encore plus haut, et qui lui s'est spécialisé dans le crément. Uh -huh. Et alors, c'est des fois plus petit que Bordeaux, mais le territoire, les distances sont assez grandes, non Oui, oui, oui. On... La côte est plutôt très fine en largeur, hein. Elle dépasse rarement 2 km de large, mais euh, du sud au nord, euh, monte, monte très, très grand. Hein. Je veux dire, on, on a environ 200 km de côte euh, qui monte euh, le long de cette faille jurassique, quoi. Uh -huh. et qui est dessinée par la plaine de Saône. C'est la, la rivière, la Saône, euh, qui, euh, qui dessine cette côte également. Uh -huh. Uh -huh. Et tu peux nous décrire un peu les, les différences de climat entre une zone et l'autre, les, les sols aussi? Alors ben, au, niveau ah, mais... au niveau climatique, euh, on, est, euh, on est sur 200 km du nord au sud, donc on a quand même des différences euh, de, de température et de climat assez importantes hein, dans la montée. Euh, bien sûr, le plus précoce en bas, euh, le, le long de Lyon, et euh, le plus tardif tout, tout en haut, euh, je vous dis, le long du Châtillonnais. Euh, après, euh, sur les terroirs, euh, ce qui va principalement faire les différences de terroirs, c'est euh, la forme du coteau. Hein, C'est-à-dire, on est toujours sur un coteau euh, qui est à peu près linéaire, mais... Euh, du côté euh, de Mâcon euh, et surtout sur la côte chalonnaise euh, de Chalon-sur-Saône, les coteaux sont un petit peu moins importants, moins pentus et donc le vignoble est un petit peu plus large. Euh, dès qu'on va arriver sur la côte de Beaune et encore plus dans la côte de Nuit, euh, le coteau va être beaucoup moins large et euh, beaucoup plus pentu avec des, des failles et des terroirs très différents euh, sur des, des zones très précises hein. Alors, on peut changer de terroir à un mètre près euh, dans une même vigne et du tout au tout quoi uh -huh. intéressant ça hein très très compliqué à, à faire comprendre euh, au public euh, <laughs> au départ mais quand on est sur le terrain on le voit très très bien à, à un mètre près, euh, on peut avoir quelque chose d'extrêmement différent en termes de, de vignobles et de, de, de raisin. Ça se voit, euh, simple. Ah oui oui c'est quand vous êtes vigneron, euh, on le voit sans problème. Et même sans être vigneron, moi ça m'arrive de promener mes clients sur le terrain et je leur montre une feuille où à un mètre près on est en... sur des argiles blanches. Euh... Euh, et derrière, peuvent des argiles rouges très, très ferreuses, très cuivriques, euh, qui vont donner des vins totalement différents. Quoi. Et ça peut se jouer, euh, je vous dis, à un mètre sans problème. On est sur un système de failles. Hein. Euh, mmh. Quand les, les Alpes sont sorties, euh, le Jura s'est écarté et euh, on a des ruptures très, très nettes. Euh, qui, qui peuvent vraiment faire des choses très, très différentes à des distances très, très courtes. Mm -hmm. Mm -hmm. Très bien. C'est assez compliqué. Pour, ici, en Espagne, on a des systèmes différents. Mais même maintenant, a priori, Rioja et Bierzo, ils commencent aussi à faire le système des de villages comme vous. Un peu pour faire la différence. Parce que sinon, si, c'est trop général. Non? Il, y a, il y a beaucoup de différences entre certaines parts de la région et d'autres. Je pense qu'on s'est regardé dans le mirail de, de la Bourgogne pour décider de changer un peu. Et... Oui, je pense que c'est un des atouts actuels de la Bourgogne hein, qui fait qu'elle a le vent pourpre c'est euh, on n'a jamais fait euh, des, euh, des vins de marque. Euh, C'est-à-dire que ça a toujours été euh, euh, l'appellation, le terroir qui a été mis en avant et euh, jamais le domaine. Euh, alors jamais, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a des domaines mythiques en Bourgogne, ouais. mais euh, on a euh, alors, toujours on en est... mis en avant l'appellation. Mmh. Mmh. Et donc, euh, je pense que dans la consommation du vin aujourd'hui, euh, on a de plus en plus d'amateurs, de gens euh, vraiment euh, intéressés, euh, euh, passionnés de vin et qui, qui boivent plus du vin forcément euh, comme euh, une nourriture hein, ou quelqu un, quelque chose qui, euh, qui accompagne le repas, mais qui boivent du vin par, par passion, par goût et on boit euh, de de mieux en mieux, hein, de moins en moins en quantité et de mieux en mieux. Et la Bourgogne est un puits euh, inépuisable, c'est-à-dire que notre système de, de terroir et de failles au mètre près, etc., euh, pour quelqu'un qui s'intéresse au vin, euh, c'est inépuisable. Il y a des, des, des millions de vins euh, différents euh, en Bourgogne, y compris chez le même vigneron et y compris dans le même village. Donc, on n'a pas du tout euh, ce, ce développement euh, de, de marque ou cette identité de gros volume. Tout est euh, coupé en petits bouts. Et voilà, nous, des, 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 des grosses cuvées en Bourgogne, euh, c'est euh, 2000 bouteilles. Voilà, et euh, ces 2000 bouteilles-là, elles sont uniques, elles ont ce, ce goût-là, etc. Et euh, c'est très, 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 très courant d'avoir des, des, des lots de 300 à 600 bouteilles. Et ce vin-là est unique sur 300 à 600 bouteilles par an. Uh -huh. C'est quelque chose de très unique. Hein. C'est ça, c'est infini. Pour l'amateur de vin, mm. euh, c'est inépuisable. Il y a toujours à découvrir, il y a toujours des choses différentes entre les vignerons qui travaillent différemment. Entre ce terroir qui est énormément coupé et euh, c'est infini. Et c'est pour ça qu'on a classé nos climats pour euh, protéger euh, ces différences, pour euh, empêcher qu'un jour quelqu'un puisse euh, développer une marque et, euh, et balayer d'un revers de main euh, toute euh, cette, cette différence et cette richesse euh, de, de différences. Donc, euh, empêcher le, la possibilité d'assembler différents terroirs, vraiment d'aller dans le côté unique à chaque fois. Et oui. aujourd'hui, c'est vraiment très, très dans la mouvance hein, du, du vin actuel. Et je comprends bien qu'en Espagne, vous veniez à euh, différencier les terroirs hein, et non plus travailler que sur euh, l'image d'un cépage ou l'image euh, d'une marque. Quoi. Oui, oui, oui. oui. Ça, c'est la tendance maintenant. Bon, comment... Et c'est vraiment la signature de la Bourgogne depuis toujours. Nous, on a toujours fonctionné comme ça. Mm -hmm. et, et, combien de siècles d'histoire la, la Bourgogne, on connaît par exemple la première cave qui s'est établie avec un nom Alors, je n'ai pas, euh, pas la date euh, exact, ah, exacte euh, en tête, mm -hmm. mais. Euh, c'est très, 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 très vieux. Hein, je veux dire, euh, euh, a priori, ils ont trouvé euh, des vignes. Alors, la première appellation, je sais, euh, en Bourgogne, euh, c'est fait dans les années 1800. Uh -huh. Alors, presque deux ans, presque. Voilà. Hum. Mais euh, on, on retrouve des traces de vins euh, prestigieux et des… Euh, euh, des, 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 des marques où, euh, je veux dire, voilà, euh, en Bourgogne, on a des Clos Napoléon un peu partout, on a euh, des. Je veux dire, il y a toujours eu, euh, les moines cisterciens avaient euh, compris depuis longue date euh, euh, l'intérêt des terroirs de la Bourgogne, euh, il, il y a toujours eu quand même un, un développement qualitatif hein, de ce vin euh, sur cette petite partie de la côte. Mmh. Là-bas, les moines ont été assez importants aussi. Non ah oui, les moines ont été très importants. Les cisterciens, euh, euh, on, on leur doit beaucoup. Mmh. OK. OK, très bien. Bon, alors on, on va dans ton, dans ton domaine. Tu peux expliquer un peu comment c'est le domaine Manuel-Olivier, Manu, Manu et sol, climat, tout. Un peu. Voilà, donc ben, je vous ai expliqué comment j'ai démarré. Donc à l'heure d'aujourd'hui, euh, je fais à peu près 100 000 bouteilles de vin mmh. euh, sur 24 appellations différentes. Donc euh, c'est vraiment l'image de la Bourgogne. Hein. On a des vins très différents. Et euh, ma, ma plus grosse cuvée représente environ 20 000 bouteilles. Et ma plus petite euh, appellation, représente 300 bouteilles. Quoi. Oh. Oh. Et donc, euh, je suis, moi, un petit peu plus orienté rouge que blanc, mm -hmm. hein, euh, et euh, à peu près deux tiers de rouge pour euh, un tiers de blanc. Mm -hmm. L'autre caractéristique, je dirais, euh, du, du domaine, c'est que je fais tous les niveaux d'appellation. Hein, C'est-à-dire que, euh, aujourd'hui, je suis un peu comme... Euh, comme l'image le, le, euh, du terroir euh, de la Bourgogne, j'ai en gros 60 à 70% d'appellations régionales hein, qui vont être euh, euh, des vins qui vont se situer euh, entre euh, 10 et 20 euros la bouteille. Mmh. Et euh, après, j'ai environ 30% d'appellations village. Alors, des villages, j'en ai beaucoup hein. Jevray-Chambertin, corton euh, morey saint denis euh, Beaune. Euh, Von romanée Chambol euh, Chaque village a son identité, et euh, je dirais que c'est un petit peu le, le cœur de la Bourgogne. Hein. Les régionales sont plus l'entrée de gamme, avec des volumes plus importants, et on commence à être vraiment dans la Bourgogne sur l'appellation euh, village. Euh, donc euh, là, euh, j'en ai une bonne dizaine, et ça représente 30% de mon volume. Euh, et c'est là que je mets le plus d'identité de terroir dans chaque vin. Autant l'appellation régionale peut me ressembler un petit peu avec ma, ma pâte de vinificateur, hein. euh, autant quand on arrive à l'appellation village, le vineron s'efface complètement et c'est le terroir qui donne l'identité à chaque vin. Mmh. Et ça, c'est des vins qui vont euh, varier euh, de euh, euh, 25 euros à 60 euros suivant les, la notoriété de l'appellation village. Quoi. Uh -huh. Et puis après, ben, un tout petit peu, hein, moi ça représente euh, 5% chez moi euh, de premier cru uh -huh. avec Comard Premier Cru, Nuit Saint-Georges Premier Cru, vaune romanée les Damodes. Et euh, bon, bah là, on est dans des terroirs d'exception, on est dans le, 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 le graal, hein, je dirais, euh, de, de ce qu'on arrive à faire. Et, voilà. et puis, bah, deux grands crus. Et c'est là que bon, bah, c'est euh, anecdotique. Hein. Euh, les ouais. grands crus, chez moi, euh, je, je dois en produire en tout environ euh, 1000 bouteilles. Et euh, je pense qu'à la maison, on en boit 600. Sur les mille, <laughs> C'est un vin que. Qu qu c'est pas qu'on le vend plus, mais on le vend très peu. Hein. Euh, c'est uh -huh. le vin qu'on qu montre, qu'on qu offre, qu'on boit et euh, qui est, qu est le Graal du Graal. Mais euh, c'est vrai que euh, ça reste euh, anecdotique et mythique. Quoi. Uh -huh. C'est plus un étendard, non Comme un drapeau, non euh... Oui, oui, c'est le fleuron. C'est le fleuron. Mm -hmm. euh, et euh, c'est la, la fierté d'un vinificateur aussi d'arriver à accéder euh, à ce genre de terroir. Quoi. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'est-ce qu'on demande de terroir de spécial pour, pour être un grand cru Qu'est-ce qu'il qu doit avoir ce terroir-là alors, bah, on, on va jouer sur euh, quatre choses. Hein. Euh, bon, bah, Son histoire, bien sûr, je vous en ai parlé longuement, on va pas revenir dessus. Ouais. Après, il y a souvent sa profondeur de sol, hein, donc sa réserve en eau. Euh, ouais. Donc, il est situé sur le coteau toujours pour être dans le, le côté idéal, euh, assez d'eau pour que la vigne ne souffre pas trop, enfin que les raisins ne souffrent pas mais pas trop d'eau pour que la vigne, elle, souffre un peu. Hein? C'est-à-dire qu'on ne, on ne peut pas faire un bon vin si la vigne, à un moment donné, ne se retrouve pas un petit peu en difficulté. Il faut toujours qu'il y ait une petite forme de stress mmh. au niveau de la vigne pour qu'on euh, concentre suffisamment les raisins euh, pour aller euh, au top. Par exemple, il ne faut pas que les raisins souffrent. Hein? Donc cet équilibre-là est toujours euh, très fin. Hein mmh. euh, et euh, c'est pour ça que la profondeur de sol euh, est très importante et que dans le, le, le creux du coteau il y a vraiment un moment donné où on a l'équilibre parfait hein, c'est que l'eau descend du coteau alimente toujours cette partie là mais la profondeur de sol fait que c'est assez drainant pour ne pas qu'il y en ait trop quoi. Mmh. Euh, ça c'est le premier point et après euh, souvent nos coteaux sont plein est et la levée du soleil à l'est va créer un petit microclimat. Les rayons du soleil vont amener la chaleur et vont installer un rouleau de chaleur sur cette, ce dénivelé. Et on va avoir une forme de, de microclimat. C'est qu'on peut avoir des variations de 5 degrés de température sur un endroit très, très court et qui va augmenter, je dirais, le, le cycle de la vigne et permettent d'avoir un cycle assez long avec une belle précocité et une, un beau côté tardif, des sommes de température suffisamment intéressantes pour faire un raisin d'exception. Ah. Donc ça, c'est la, 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 la deuxième partie, je dirais, qui va amener géologiquement quelque chose. Et après, chaque grand cru va avoir son caractère par son sous-sol. Mmh. plus ou moins de cailloux, plus ou moins d'argile blanche, plus ou moins d'argile rouge hein. mmh. et euh, là c'est pas forcément qualitatif hein, mais euh, ça va être euh, son, son trait de caractère ouais, c'est un facteur différentiel mmh. voilà, voilà qui va permettre, de... et puis après ben, les hommes, hein, puisque euh, euh, un grand cru euh, se fait dans la vigne hein, il ne se fait pas dans la cave hein. euh, Bon, la majorité des vins, non? Et je dirais Oui, la majorité 80, des vins, 80%, mais... 80%, euh, c'est fait à, à la vigne. Le reste, bien sûr, c'est toujours ta... comme ça. Hein. Quand on veut savoir si un vigneron est bon et qualitatif, hein, euh, on goûte les vins, mais il faut surtout aller voir la vigne. Mm -hmm. Oui, ça c'est une chose qu'on vient de comprendre, ça fait pas très longtemps en Espagne, je pense mais les nouvelles générations sont convaincues de, que c'est comme ça et ils prennent beaucoup plus de soins à l'agriculture qu'avant. Hmm? Ah oui, de, de toute manière, euh, euh, faire du bon vin, c'est plus... Euh, c'est à savoir faire, mais euh, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de faire des beaux raisins avec la nature. Mm -hmm. ouais. Et euh, parce qu'il voilà. y a beaucoup de variables qui vont influencer sur ça. Et... C'est ça. Euh, je veux dire, le, le vinificateur, il est, euh, il est tout seul avec son raisin et son vin. Euh, le vigneron, euh, il travaille avec Dame Nature et euh, c'est une femme pas facile. Non, le ciel, le, le... trop de pluie, pas de pluie, pas assez, trop froid, on ne sait jamais. C'est ça. C'est tout le temps regarder le ciel, non? Voilà. Le, 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 le couple est plein d'aventures différentes. Comprendre un peu comment ça fonctionne et prendre soin bien de la plante et travailler toute l'année sur, sur le terrain. Oui, 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 je te dis, pour moi aujourd'hui, euh, euh, l'enjeu est effectivement sur la partie... Euh, la partie viticole, hein. je veux dire, c'est là que euh, on, on a le plus de le, le, le plus de d'enjeux de, et que le millésime se joue et que euh, mm -hmm. la carte du vin se fait. Oui, oui, oui. alors, tu nous as dit que surtout 90% des de cépages sont pinot noir et chardonnay, c'est ça? C'est oui. toi, toi aussi hein chez moi il y a à peu près euh, un tiers, deux tiers c'est à dire que euh, on, on a deux tiers de Pinot Noir hein, pour un tiers de Chardonnay mm. et euh, je crois que j'ai 5% d'aligoté uh -huh. et je n'ai pas du tout de gamay zéro gamay oui uh -huh. très bien et bon, donc... moi je suis, je suis situé dans la côte de nuit hein, principalement un tout ah bah. petit peu dans la côte de Beaune, hmm. mais le, le plus gros de mon vignoble est sur la côte de Nuit, et la côte de Nuit n'a quasiment pas de Chardonnay, et presque que en Pinot Noir. Uh -huh. Mais ça, quand tu as dit que tu as, as sur 20, 24 appellations, ça veut dire que ton, ton clos, ce n'est pas un clos, c'est plusieurs dans différents endroits Ah oui, je fais... Euh, entre la vigne la plus éloignée l'une de l'autre, je fais 60 km. Ah, mm -hmm. C'est des petits clos, quoi. Voilà. Et euh, sur les appellations village, la moyenne de mes vignes font 25 ar. 25? 25 arts, Un quart d'hectare. Ah, ok. De 2500 mètres carrés. Ah, 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 wow. C'est tout petit, c'est tout, tout petit, et euh, on coupe, euh, on coupe euh, toutes les parcelles en tout petits bouts chez nous. Uh -huh, uh -huh. Je, je, je travaille toutes mes appellations village avec un chenillard, on n'a même pas d'enjambeux. Avec un quoi Un chenillard, une petite brouette à chenille. Uh -huh, ok. Uh -huh. Vous faites des vendages à main, non alors, la, la majorité est faite à la main, oui, tout à fait. Mmh, mmh. Il y a tout, toi... Juste un petit peu en appellation régionale ou c'est à la machine, mmh. mais la majorité est faite à la main. Oui. Uh -huh. Et toi, tu as commencé d'abord avec euh, la culture bio. Non Alors non, moi, j'ai toujours été euh, en culture raisonnée. Euh, et euh, je, je défends cette culture-là. C'est-à-dire que euh, je, je pense que euh, euh, l'équilibre d'un raisin euh, est dans l'équilibre d'une vigne. Et on n'a pas euh, de règle absolue. Ce n'est pas euh, le conventionnel, le bio et la biodynamie. Je pense qu'il y a des bonnes choses dans chaque méthode. Mmh. Et euh, je m'inspire de toutes les méthodes avec une, une ligne de conduite qui est d'arriver au meilleur euh, raisin possible pour faire le meilleur vin possible. Il est clair que les méthodes de bio et biodynamie euh, sont des très très bonnes méthodes pour euh, exprimer du terroir mmh. euh, dans l'expression des vins, dans euh, l'identité euh, des vins. Euh, c'est euh, la, la, la recette obligatoire. Par mmh. exemple, pour avoir le meilleur raisin possible, c'est pas toujours le plus facile. Euh, donc, moi, je ne m'interdis pas euh, de, de pouvoir faire une intervention euh, ponctuelle sur euh, du conventionnel euh, pour avoir euh, le meilleur raisin possible. Mais je m'inspire. Énormément, euh, on va dire que 80-90% de mon mode de culture est basé sur les principes du bio et de la biodynamie. Mm -hmm. mais, mais on est là... zéro, bien sûr, zéro désherbant, 100% travail du sol, euh, enherbement. Euh, euh, moi, ma ligne de conduite, c'est le plus d'expression du terroir possible. Et, et du millésime hein, également, parce que de plus en plus le millésime est important, surtout chez nous. Et euh, le meilleur raisin possible. Mais mmh. euh, voilà, moi je ne prendrai jamais le risque d'avoir euh, une vendange euh, massacrée par euh, le, le sec du mildiou ou, euh, ou la moisissure de l'odium. Hein, je veux dire, euh, on ne fait pas des bons raisins et des bons vins. Avec, euh, avec des, des, des vignes malades. Euh, donc, euh, euh, je veux dire, euh, je, je fais tout ce que je peux pour avoir le meilleur raisin possible et le plus qualitatif possible. Mm -hmm. Et pour ça, il faut s'inspirer des trois méthodes. Quoi. Ah, ah. Ah, ça c'est bien. C est, c est, ça sonne euh, équilibré. Alors, voilà. Et, et je refuse de m'enfermer... Euh, dans une image de marketing c'est à dire qu'aujourd'hui euh, il faut dire qu'on est bio ou il faut dire qu'on est biodynamie ou il faut dire qu'on est euh, euh, HVE ou ceci ou cela mm -hmm. euh, tout ça c'est pour moi c'est prouver euh, au consommateur qu'on est bon ou pas et en fait c'est pas mon problème moi euh, les, les, les clients ils viennent s'ils croient en moi S ils ne me croivent pas et eh ben ils passent leur chemin et ils vont voir un autre vin. Voilà, mmh. euh, moi j'ai je, je voilà. On aime mon vin ou on n'aime pas, on aime mon personnage ou on n'aime pas, mais euh, on, on est obligé de me faire confiance. Je veux te dire, je ne veux pas m'enfermer dans une certification dans du marketing, dans de la d'être de, 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 obligé de montrer pas de blanche. Je comprends hein, qu'il n'y a pas que des gens honnêtes dans le monde de la viticulture et que des fois on a envie de montrer pas de blanche. Bon, moi, je ne sais pas, je, je suis vineron, les gens m'adhèrent ou n'adhèrent pas. Euh, mais euh, voilà, ceux qui viennent, c'est une histoire de confiance entre nous. Mmh. Je, je, je comprends. Je comprends très bien. Mais de toute façon, c'est difficile. C'est un producteur plus grand que toi. Ça doit être beaucoup plus difficile à le faire. Et comme tu dis, il y a, il y a tout hein. dans, dans le monde du vin. Et il, y a, il y aurait des gens qui, qui feraient d'autres chose. Hein. Alors, il faut, malheureusement, il faut les certifications, il faut les classifications et tout ça pour que les gens ne soient pas perdus. quoi. J'entends je, 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 bien, j'entends bien. Après, moi, j'ai encore la chance d'arriver à vendre euh, mon vin, c'est-à-dire que je n'ai pas une, une quantité euh, trop importante qui euh, m'oblige à avoir euh, euh, 10 intermédiaires entre le client final et moi. Mmh. Et euh, donc, euh, euh, mon équipe, en tout cas... A euh, beaucoup, beaucoup le client final euh, devant les yeux. Hein, je veux dire, moi, encore aujourd'hui, c'est plus de 50% de particuliers qui viennent euh, commander ou chercher le vin euh, au domaine. Mm -hmm. Et partant de là, il n'y a pas besoin de certification ni de. Je veux dire, le rapport humain mm -hmm. euh, fait que, euh, de toute manière, hein, euh, les gens, ils, ils les voient ils les vignes, ils, ils, ils voient ils la cave, ils voient euh, ce que je fais. Et il voit, il est et, et on n'a pas besoin de s'enfermer là-dedans. C'est un rapport de confiance. Je comprends bien que quand euh, entre le producteur et le client final, il y a 5, 6, 7 personnes qu'on soit obligé de, de montrer de blanche. Mmh. Euh, moi, encore une fois, je, je suis vigneron. Euh, euh, il faut que la personne ait confiance en moi, sinon je ne lui vends pas de vin voilà. mmh. Et tout à l'heure, tu as, as parlé du cycle long. C'est quand que tu fais les vendanges en Fin septembre, en octobre C'est très variable. Hein. Habituellement, euh, on avait l'habitude des vendanges euh, euh, au 1er octobre. Hein. Euh, mmh. Et ça va Vous faire maintenant 15 ans qu'on vient tout doucement euh, aux vendanges au 1er septembre. Euh, J'exagère je, un petit peu. <laughs> Mais euh, avec les années qui, qui viennent là, on a sérieusement avancé les, les dates de vendanges parce qu'on a des étés de plus en plus chauds, de plus en plus caniculaires, hein, et euh, qui euh, nous amène à, euh, à, à avoir euh, des vendanges de plus en plus précoces et un cycle de la vigne euh, un petit peu plus court. Mais nous dans l'expression du terroir et dans les de gardes, on aime bien quand même les cycles longs. Hein. Mmh. Euh, je veux dire, euh, mais après la vigne démarre de plus en plus tôt aussi. Hein. On a de moins en moins de gelées de printemps et euh, c'est pas rare de voir une vigne qui, qui commence à pleurer, à avoir une petite montée de sève euh, fin février, euh, euh, début mars. Bon, c'est comme ça. Euh, mmh. Euh, on taille de plus en plus tôt et euh, le, le, le cycle c'est un petit peu euh, un petit peu raccourci et un petit peu décalé. Mais aujourd'hui, euh, moi, ça fait déjà deux ans de suite là où je vendange au 1er septembre. Alors vous avez remarqué aussi les changements climatiques. Hein. Ouais, oui, oui c'est assez clair. On a remarqué les changements climatiques et, et c'est très important dans l'adaptation du, du vigneron. Hein, de savoir s'adapter à son millésime. Nous restons des climats qui peuvent être très différents hein, d'un millésime à l'autre. Et on peut avoir jusqu'à 3 à 4 semaines d'écart sur les vendanges. Avant, on était beaucoup plus régulier que ça. On avait 8 jours d'écart entre une année et une autre. Aujourd'hui, il faut pouvoir s'adapter à un mois près. Ouais. Oh, wow. mm -hmm. D'où bien... l'importance… D'où l'importance de ne pas être trop gros pour pouvoir euh, yeah. réagir vite. Mmh. Ouais. Ça aide, ça aide, bien sûr. Le secret de la Bourgogne, c'est d'être pas trop gros. Hein. Mmh. Alors, on arrive avec le raisin à la case. Et... Oui. Et, et donc, euh, bah, pour moi, euh, beaucoup de vendanges manuelles. Euh, L'ensemble de la vendange est triée, hein, manuellement également. Et puis, euh, mon petit coup de pâte de vineron, c'est que j'aime beaucoup travailler la vendange entière. Hein, donc, mmh. euh, souvent, on, je, je mets, quand l'année la, me permet, quand les, les rafes sont suffisamment mûres, euh, je mets le raisin entier dans la cuve et euh, j'aime bien travailler sur euh, cette euh, fermentation, cette macération euh, à l'intérieur de la baie. En, on appelle ça en intrabaie. Hein, euh, et qui donnent des arômes floraux, euh, des arômes de, de fruits mûrs euh, qui vont très bien avec le pinot noir. Mmh, mmh. Et du coup, je laisse les raisins en cuve longtemps. Ce n'est pas rare que mes raisins restent en cuve entre 5 et 8 semaines de macération. C'est oh là là. Oui. Mmh. beaucoup ça. Voilà. Ouais, et pour, pour les que... rouges après... Comment Excuse-moi une seconde, s'il te plaît. On, on va devoir couper un, une seconde. OK. Ah. Ben ouais. Donc, des cuvaisons de huit semaines à peu près, hein, donc, qui sont plutôt très longues, des macérations très longues et euh, qui pour moi... Euh, permettent d'extraire euh, doucement euh, et d'aller euh, euh, plutôt pas dans une extraction forte. Hein. Moi, je préfère extraire doucement et euh, longtemps pour les rouges. Quoi. Mmh. Après, euh, 100% est élevé en fût, hein, euh, des élevages qui peuvent faire 12 à 18 mois. Et euh, l'autre principe du domaine, c'est, euh, moi, j'ai une philosophie que... Quand on a un beau raisin, on fait une belle vinification, un bon vin. Après l'élevage, euh, il faut l'abîmer le moins possible. Mais quoi qu'on fasse en élevage, euh, je veux dire, euh, le, le beau vin, on l'a déjà. Donc, euh, il faut l'accompagner, mais euh, on ne doit pas euh, travailler les vins euh, plus que, euh, que ça. Euh, C'est juste l'accompagner. Donc, il n'y a pas de soutirage, il n'y a pas de filtration, il n'y a pas de pompe. Euh, tout se fait euh, dans le temps et naturellement. Et mon but est d'arriver à ne pas pomper les vins, de faire que de la gravité. Mmh. Hein, donc, les tonneaux sont, sont soutirés par le brocro, par le bas, en gravité, et euh, de ne, surtout de ne pas filtrer. Quoi, hein, et d'arriver en bouteille le plus euh, naturellement possible sans avoir... Euh, D'effet euh, ni mécanique euh, ni physique sur les vins, quoi uh -huh. bon. Ça, ça c'est difficile d'arriver à ce point là. Non si on n'est pas trop gros et qu'on travaille des petites cuvées, il euh, n'y a pas de problème. Si mm -hmm. on travaille euh, des mille hectos, c'est impossible. Mm -hmm. Après, euh, nous des fois, hein, moi, toutes mes cuvées, il n'y a pas plus que cinq tonneaux. Hein. Bon, ouais. ben, cinq tonneaux de 228 litres, c'est assez facile à gérer. Euh, on, on les soutire quand ils sont prêts à être soutirés euh, euh, par gravité dans une petite cuve. On remonte ça avec un fenwick. Euh, on le met dans le groupe en bouteille par gravité. Euh, J'ai mon groupe de mise en bouteille moi-même. J'ai tous mes soutirages moi-même. Et euh, c'est juste du question de temps. <coughs> euh, euh, mmh. Il est sûr que. Euh, ce n'est pas, pas la rentabilité d'un grand groupe de mise en bouteille qui nous sort X bouteilles par an, euh, par jour. Hein. Nous, des fois, quand on a mis nos 4-5 000 bouteilles dans la journée, on est content. Hein. <laughs> C'est bien. On s'est travaillé doucement et ça, ça ressemble assez, dire, tranquille et relaxé non? Voilà. C'est bien. Et c'est bien et donc, pour le vin aussi. Bien sûr, bien sûr, c'est toujours la même politique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette, on s'adapte au vin et on fait euh, en fonction du vin. Mm -hmm. Aujourd'hui, moi, j'impose à mon tonnelier euh, que les vins soient finis, on les goûte ensemble et il fait le tonneau en fonction du vin et non pas euh, dans l'autre sens. Quoi, hein. mm -hmm. Et donc, tout l'art, il est là, hein, c'est de de jamais mettre l'identité de l'homme, de toujours que ça soit l'homme qui s'adapte au vin. Uh -huh. C'est très intéressant pour pouvoir exprimer mieux l'origine du vin. Non? Ouais. Et pour ça, il ne faut pas avoir... Un homme ne doit pas faire trop de vin. Il faut que, je veux dire, on ne doit pas dépasser des unités de 50 à 100 000 bouteilles. Maximum. Mmh, mmh. Et toi, ta gamme de vins, c'est combien de vins? C'est 25 appellations, 25 vins différents. 25 vins différents. Oh. Oui. Pas mal, hein? Euh, ouais, ouais. Pour <laughs> gérer tout ça. Exactement. Il faut, il faut arriver à gérer tout ça. C'est ça. Il faut... Et puis bah, pour les blancs. Pour les blancs, Gabi, bah, euh, un pressoir euh, vertical hein, de préférence, un petit peu comme le, la champagne. Euh, donc, moi, je crois beaucoup que l'expression des blancs se trouve dans la pellicule. Donc, euh, on n'est pas trop euh, sur ce côté euh, pressoir pneumatique euh, qui respecte euh, énormément les jus. Euh, plus, plus on avance, l'expression du terroir est souvent dans les pots. Donc, euh, je peux faire un petit peu de macération pelliculaire, euh, mais surtout le pressurage se fera euh, quand même avec des pressoirs euh, sur des plateaux et de manière euh, verticale pour avoir une belle expression des peaux. Mmh. Euh, et quasiment euh, 80 des volumes fermentent en tonneau, directement. Hein? Donc, euh, l'ensemble des fermentations se fait euh, en fût et non pas en cuve. Quoi. Ah, ah. Et donc, euh, on est euh, sur des pressurages très longs, très lents et euh, des fermentations également euh, très longues, très lentes. Mm -hmm. et, et des blancs, que, quel moyen de vie ils ont euh, C'est-à-dire 10 ans Plus Alors, euh, Très, très, variable, euh, très variable suivant les terroirs hein, et suivant les millésimes. Mmh. Mais euh, les blancs qui ont des, des beaux équilibres. Hein, euh, moi, je, je goûte régulièrement, alors pas forcément chez moi, hein, mais je goûte régulièrement des terroirs proches euh, des miens et identiques euh, avec des blancs qui ont euh, 40, 50 ans, hein, sans aucun problème. Y a, on, on, on peut avoir des potentiels de garde extrêmement euh, longs. Euh, après, il est clair que la culture du consommateur aujourd'hui est de boire euh, les blancs euh, plutôt dans les 5 ans. Euh, mmh. Mais voilà, moi j'aurais tendance à dire nos blancs, soit tu les bois dans les 5-7 ans, soit euh, tu attends 15 ans. Voilà. Oh là là. Et si. Mais en Espagne, la, la culture des blancs, c'est de l'année. Tu vois, c'est même difficile de vendre des vins blancs dans la deuxième année. Ça commence à changer maintenant, mais jusqu'à présent. Si tu vas maintenant avec un 2018, ils vont te dire que c'est vieux. Et on a dit qu'en France, la culture, c'est de pouvoir boire en 70 ou 80 maintenant. C'est ça. Euh, je veux dire, euh, nous, euh, au niveau des blancs, de toute façon, euh, moi, mes grands blancs ont 18 mois d'élevage également. Hein. Donc mm. déjà, je mets au moins deux ans à les sortir. Hein, et euh, je leur demande toujours quand même au moins quasiment un an de bouteille. Donc mm. on va dire que les grands blancs euh, sont en pleine harmonie. Jamais avant deux ans et demi, trois ans. Mmh. Non, mais c'est il y a très peu qui font l'élevage en fusion. Hein. Et... Oui, ben nous, moi je te dis, c'est 80%. Hein. Donc euh... et bon, ça doit être aussi parce que votre chardonnay, il, il a beaucoup d'acidité, non Oui, pas, pas tant que ça, et de moins en moins avec les climats de plus en plus chauds, mais euh, on, on, on se tient une acidité, hein, effectivement. Mais encore une fois, euh, pendant longtemps, on a dit oh, le rendement en blanc, ce n'est pas grave. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour faire un bon blanc bourguignon, il ne faut pas dépasser 50 hectolitres hectares. Mmh. Hein, et, euh, et sur des densités de plantation euh, de 5 à 10 000 pieds. Hein. Euh, donc, euh, et euh, je, encore une fois, je pense qu'il faut faire attention au pressoir. Euh, on a été beaucoup dans le respect et la pureté des jus et euh, qui, euh, du coup, a fait des, des blancs euh, très aromatiques, très basés sur le fermentaire. Et on voit bien que quand on veut avoir des blancs de terroir et de vieillissement, ben, ce n'est pas la, la partie fermentaire qui est intéressante. Hein, euh, C'est euh, la partie qui va s'exprimer euh, quand le vin aura 3 ou quatre ans. Quoi. Mmh. Et là, il faut revenir avec des pressoirs et des macérations pelliculaires. Mmh. OK, bon, euh, le temps passe vite. C'est un plaisir de parler avec toi et t'écouter. Mais on doit bientôt finir. J'ai deux questions que je garde toujours pour les invités. L'une, c'est quel est ton sépage préféré dans le monde? Ah, je vais pas bien loin. Hein. Comme, tout bon, comme tout bon paysan, euh, je, je, je reste accroché à mes racines. Non, euh, je, je suis euh, euh, passionné euh, du pinot noir. Je suis passionné du pinot noir. C'est un cépage extrêmement euh, euh, complexe, euh, compliqué aussi bien en tant que vigneron qu'en tant que consommateur, hein, et, euh, et qui est euh, infini. Il, il, est, il est infini dans l'adaptation des terroirs et, euh, et dans la complexité qu'il peut nous donner. Euh, non, je, je, je suis passionné de Pinot Noir. Mm -hmm. Et voilà, pour ne pas être sectaire, euh, euh, j'ai un petit faible pour euh, les Sierras du Nord, quand même. Ah, très bien. Et la dernière question, c'est marier une chanson et un vin. Ah, si je vais marier une chanson à mes vins ou à un vin, euh, Moi je, je, je donne tout pour le vin. donc je pourrais prendre, euh, je te donne de Jean-Jacques Goldman euh, ou euh, effectivement ça, peut, ça, peut, ça me parle bien et ça représente bien euh, euh, ce, ce que je, comment je fonctionne avec mes vins. Ouais. Quel est le nom de la chanson je te donne, de Jean-Jacques Goldman. Je te donne, ok, très bien. Alors, avec ces, cette chanson, on va fermer les programmes d'aujourd'hui. Et bon, je vais te désirer une, une très bonne 2021. Euh, on espère que ça va améliorer. Oui, oui, oui. On, on, on y croit. De toute manière, il faut au moins commencer par y croire. Oui, oui, ouais, voilà. En plus, bon, ça ne sera pas une surprise comme ça a été le 2020, parce qu'il paraît que tous ont pensé que l'année 2020, elle allait être une très, très bonne année. Et ça a été très surprenante. Oui, une année difficile. Minimum. <laughs> Minimum Mais on, on, on ne peut que trouver mieux. Mmh. Et euh, on va souhaiter une bonne année 2021 pour redémarrer euh, euh, cette, euh, cette décennie euh, sur, euh, sur le côté positif. Ok, très bien. Bon, un plaisir de parler avec toi et j'espère visiter la Bourgogne un jour. Merci avoir... Gabi, tu... avec plaisir, la porte est ouverte. Pour comprendre tout ce que tu nous as expliqué et voir sur, sur place ces changements d'un maître. Dans, dans les mêmes euh, euh, clos OK eh ben, Pas de problème, hein. je, je, je bouge beaucoup, donc préviens-moi bien avant, mais euh, oui, pas de oui, problème. Avec sûr. grand plaisir. Bien sûr, bien sûr. Bon, à toutes. Allez, salut Gabi, ciao. ciao. Bon, les amis, jusqu'ici le programme d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé visiter la Bourgogne avec nous. Et soyez heureux et surtout buvez du bon vin et à la prochaine.